rapport au match de vendredi, qu'est-ce qu'il faut pour remporter le match? Déjà, on est dans un scénario piège. Peut-être Qatar ils n'ont pas à mon niveau. Mais qui démarre une compétition de Coupe du Monde chez elle, souvent les joueurs ils sont voilà, ils sont animés par une bravoure. Voilà, il y a une très forte pression. La preuve, ils ont pris deux buts après, voilà, ils sont parvenus à contenir les joueurs de l'Équateur comme Yem Fofo. On va vers un scénario piège. Équateur gagne 2-0. Pays-Bas gagne 2-0. Est-ce qu'on a cette armada offensive pour nous permettre de nous gagner 3-0? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner, pour mettre au moins 3 buts? Vendredi. Est-ce que dans la configuration actuelle et dans les choix, nous avons envisagé une équipe qui a une capacité de double 3 buts? Sur le match d'hier, moi, Jérémy Famaréké, du moment où, peut-être même en deuxième mi-temps, il a eu un carton jaune depuis le match. Et tu mets quelqu'un devant lui, il va faire une faute sur lui. C'est des petits détails dans un match. C'est des calculs en fait. Voilà, c'est des calculs. C'est des choses que maintenant, on peut lire qui en tant qu'entraîneur. Parce que tu as ramené c'est le pilier de la défense. Moi, je l'ai mis en deuxième mi-temps. Regarde, Famaréké, tu vas l'obliger à faire une faute. Comme Bamadi Ourundu. Non, Man. Ok. Je ne suis pas allé au CC, c'est lui le coach. Mais moi, je l'ai mis Famaréké pour. Moi personnellement, dans le match, je ne l'ai pas mis. Qu'est-ce qu'il a d'extraordinaire Famara, c'est un tueur. C'est un gosse qui a commencé à dire qu'il est national. Mais ses dernières prestations, comme tout l'heure, il a mis un hat-trick, 4 buts à une compétition. Maintenant, sur ce genre de compétition, pour amener un joueur Yugao. Tu as un pivot, la fin du jeu, là. Déviation, jeu de tête, etc. Oui, peut-être aller où miser au long qui aspire. D'accord. Maintenant, l'interrogation, moi, est-ce qu'on peut mettre, est-ce qu'on a une équipe capable de mettre 3 buts? Sur le dernier rendement des matchs du Sénégal, c'était pas ça. Même avec Sadio, nous avons dépassé. Et il nous faut obligatoirement gagner par au moins 3-0. Est-ce qu'on a cette équipe-là, au vu de la copie qu'on nous a présentée hier, capable d'aller de percuter, de marquer 3-0? Sachant que Sadio n'est pas là, probablement Kouyaté ne sera pas là à Kenenki. Écoutez, on est décidé.